bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 21 de notre incroyable aventure sur The Last of Us 2. Comme d'habitude, un petit truc à boire et à manger. Installez-vous confortablement. Vous connaissez la musique, profitez si vous le pouvez de la 4K 60 fps, parce que je peux vous dire que ça régale les pupilles évidemment. Installez-vous confortablement et si vous voulez me rendre l'appareil, bah surtout n'hésitez pas, n'hésitez jamais à mettre un petit pouce vers le haut évidemment et un petit commentaire parce que ça fait extrêmement plaisir et ça récompense le travail qui est fourni. Donc merci d'avance à tous ceux qui le font à chaque épisode. On est parti, on continue d'être dans les top tendances, même à l'épisode 21. Ça, c'est plutôt incroyable, donc on ne lâche pas. Souvenez-vous, on devait aller à l'hôpital voir s'il y avait Nora, une personne qui était présente pendant le massacre de Joël. Et on va avoir la réponse parce que, à mon avis, c'est juste derrière cette porte, il me semble. Je dis peut-être n'importe quoi, mais en tout cas, j'entends pas d'autre bruit. Je pense qu'on approche du but. Donc, est-ce qu'elle est là ou pas? Eh bien, c'est une réponse dans pas longtemps. Ceux qui ont vu le gameplay de l'E3 ou qui savent, ne spoiler pas de toute façon. La réponse, ça va être dans l'épisode. Et comme d'habitude, je vous conseille, avant de regarder un épisode, de ne pas regarder les commentaires par précaution pour vous préserver du spoil ou autre. De toute façon, tant que vous n'avez pas fini une série, lisez pas les commentaires. Vous dites juste « Oh putain, GG, trop bonne vidéo, j'adore. B-Boy, t'es vraiment un dieu vivant. » Et ça suffira, mais évitez de regarder. Parce que ça peut partir en cacahuète. Attends, c'est pas normal qu'il y ait du monde ici, hein, les gars. Hein. Normalement, hein. Enfin, normalement, je dis ça, j'en sais rien. J'ai jamais avancé, mais... J'avais pas ce souvenir... parce que, comme je vous disais, le gameplay présenté juste avant la sortie du jeu, c'était dans cet endroit. Oui, voilà. D'accord. On... Ok, vous entendez la musique. Hop. On casse déjà tout. Oh, on a quelque chose. On a quelque chose et regardez à droite, on a des pilules. Donc là, ça peut être très intéressant. Liste de provisions. Si possible, kit d'injection. Ok. Fouillez bien tout le deuxième étage. Il reste des pièces qu'on n'a pas explorées et qui pourraient contenir des trucs utiles. N'allez pas dans les niveaux inférieurs. Oh. Oh. Alors attendez, déjà des ciseaux. Un médicament, deux médicaments, trois médicaments, c'est pas beaucoup, j'aurais pu faire un petit effort. Fouillez bien tout le deuxième étage. Alors, aux États-Unis, je crois que le rez-de-chaussée n'existe pas, comme au Japon, le mot rez-de-chaussée n'existe pas. Le premier étage, c'est donc chez nous le rez-de-chaussée. Donc, normalement, on est déjà au deuxième étage. Alors, on va essayer de bien... C'est toi, Nora. On va essayer de bien tout fouiller. Ça écoute de la musique, très bien. En fait, y'a rien à fouiller, en fait. Je me suis totalement fait voler. Ok. Oh putain, les droits d'auteur! On y va! Quand est-ce qu'Abby était ici? Je suis pas stupide. Tu vas nous dire où elle est partie. Quand Isaac nous posera des questions, je lui dirai ce qui s'est passé d'après moi. Fais-toi plaisir, j'ai encore du travail. Nora! Je refuse de payer le prix fort à cause d'elle. C'est elle. Ok, on va devoir y aller discret. Attendez. Déjà ça... Oh putain, un scotch, ça c'est du pain béni. Oh là là, les petites pilules derrière. Je peux y aller ? Évidemment. Oh, oh, oh. C'est du pain béni aussi. Bon, ben on va voir Nora. Il est temps que je fasse moi-même un petit massacre là quand même, non? Ce serait sympa. Allez, go. Crie pas. Pose tout ça.
me reconnais ? Ouais. Tu me reconnais. Qu'est-ce que tu veux ? Abby est venue ici. Où elle est maintenant ? J'en sais rien. Si tu tires, le bruit va rameuter tous nos soldats. Ouais, mais tu seras morte. Dis-moi où elle est, et peut-être que je te laisserai partir. On aurait pu te tuer. Vous auriez peut-être dû. Mais vous auriez jamais dû foutre les pieds à Jackson. Où est Abby ? Tu les entends encore, ces cris ? Quoi ? Je les entends toutes les nuits. Ce fils de pute a eu ce qu'il méritait. Espèce de sale! Ah, Alette! Une intruse! Alette, quelqu'un! Sale chienne, va, reviens! Non, là! Tu t'en sortiras pas comme ça! Reviens là, toi! Cascade! C'est pas vrai! Allez! Quelle pute! Jetez-la! Stop! Allez, salut mon pote! Putain, j'ose même pas tirer! Inarrêtable, c'est pas possible! On repart, ok? Bataille de rue! Bataille de rue! Voilà! Ah oui! Belle patate! C'est pas possible! Allez, Ellie! C'est pour Joël! Jette ton arme! Écoute, t'es pas obligé de faire ça! Ferme ta gueule! Jette ton arme, main en l'air! Fous ta corps! T'as nulle part où aller! Non! Non! Attends! Peu importe, il faut qu'on la trouve. Chut, t'es claqueur. On aura apporté pas de masque. Attention! Exterminez! J'ai un visuel sur elle, près du bureau! Ça va, swing, hein? Oh non, mais oui, one shot les claqueurs, mais je pensais que 3 balles suffiraient. C'est ma faute, c'est ma faute, je prends l'entière responsabilité. J'y ai cru. Wow, attention! C'est la guerre. Chut.
Oh non. Un aller simple pour l'enfer. Bon, putain, excusez-moi. Mais si j'avais su que c'était... Oh là là, comment on va faire? Ils sont un peu partout les claqueurs pour le coup. La voilà! Putain, je vais peut-être sauver la vie. Je vais peut-être sauver la vie au con. Vous allez apprendre une chose. J'étais persuadé d'avoir esquivé. Ah. Hop, pardon. Excusez-moi. J'ai entendu courir. Par ici. Ok. J'ai repéré. Là, ici. À mur. Un problème peut-être ici, je sais pas. Oui, j'ai galéré. Sa mère. Ok, c'est bon, on est passé. Oh la vache, j'en ai chié sur cette scène là. Pas facile, hein. Clairement, hein. Normalement, elle a respiré des spores. Ok. Parti où? Elle a respiré des spores, elle avait pas de masque. Je sais pas combien de temps faut les respirer pour être contaminé, mais je pense qu'elle a dû prendre sa petite part là quand même, non? Attends, on a rien là? Régalez un peu là, donnez des petits trucs un peu là. C'est la famille ici, on compte pas, hein. Pour une fois par contre, on a utilisé les leurs, je suis agréablement heureux. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir quand même, hein, faut noter ça. Clairement, les leurs nous ont grave servi. Peut-être été américain, j'en ai utilisé trois, enfin bon, écoutez. Nous, on est là, vous savez, c'est la famille, on régale, hein. Oh, elle est contaminée. Oh, elle est contaminée, pauvre biquette.
Oh, elle va mourir. Et j'espère dans d'atroces souffrances. Oh. Il y a vraiment rien ici, par contre. Hein. Allez. Oh. Salut, Nora. Je suis la mort en personne. Nora. Allez, on discute ou pas? Voilà. Où est Abby? Tu respires des spores. Luciole. Les Lucioles n'existent plus maintenant. Où est Abby, hein? Je vais mourir de toute façon, pourquoi je te le dirai? Parce que je peux t'achever. Ou te faire souffrir encore plus. Pense un peu à ce qu'il a fait. Combien de gens sont morts à cause de lui? Dernière chance. Je trahirai pas mon ami. Est-ce que je dois appuyer sur carré? Mange tes morts! Vile pétasse! Voilà! Encore? Attends, t'écoutes un peu souffrir. T'as fait du mal à mon Joël? Ouais, mais des gens sont morts. T'as fait du mal à mon Joël? Allez, on est reparti. Voilà! Allez, souffre encore un peu. Ouais. Je t'entends pas assez, là. Je t'entends pas assez. Dans les commentaires, ça demande à ce que tu souffres bien, là. Allez. 10 secondes de silence et de souffrance. Ah, quel plaisir! Quel plaisir! Allez, dégage! C'est moi. Ellie. Tu vas bien? Putain. C'est ton sang, ça? Elle s'est planquée dans un aquarium. D'accord. Viens. On va nettoyer tes plaies. Lève les bras. Ah.
Je l'ai fait parler. Hé. Ça va aller. Ok. 2 ans plus tôt, service pédiatrique. Aucune idée de ce qui se passe par ici. Qu'est-ce qu'on fait là? On va le découvrir. Vous avez laissé tout un tas de trucs. Ellie a réussi à la faire parler, mais alors qu'est-ce qu'elle a dit, ça? Ah, parfait, ça, pour le Covid. Allez. Il doit bien y avoir quelque chose. Attendez, elle est à l'hôpital où elle était avec les lucioles. Elle est partie vérifier si ce qu'a dit Joël c'était vrai. Partis. C'est bizarre ça. Je crois que c'est l'hôpital où il y avait Ellie. Avec les lucioles. Très bizarre. Non, on va faire toutes les pièces. Ah. Alors. Ok, on est à la recherche de la vérité. On va peut-être enfin savoir c'est pourquoi. C'est quoi ça? Ok, on va peut-être savoir pourquoi Ellie en voulait à Joël. Elle le montrait pas, mais il y avait un bail. L'infection a clairement muté. Voyons si les résultats de l'examen corroborent notre théorie. C'est du lourd. C'est du lourd ou quoi? Ici, c'est carré. Ok. Oh. Qu'avons-nous là? Tiens, encore what? Demain, à la même heure, on aura bouleversé le cours de l'histoire. J. Vous croyez que pour être immunisé, c'est un bail dans le cerveau ou... Vous voyez ce que je veux dire? Un défaut dans la cervelle? On sait pas, les gars, on sait pas! Peut-être! Un truc qui fait que... Ah ouais, il y a le signe des lucioles. Radiologie... On va forcément avoir quelque chose ici. Oh putain, c'est pas Joël là où il est rentré énervé? Tout fouillé. Sac des lucioles. Ok, je confirme. Plus on avance, plus on sait. Donc Ellie est partie à la recherche de la vérité un an après. Donc elle a pas eu confiance... aux paroles de Joël. Oh, ça sent pas bon ce qu'on va trouver là-dedans. La plupart des gens sont déjà partis. Je sais pas avec quel groupe je vais aller. J'étais avec ceux qui voulaient prendre en chasse le contrebandier. Et la fille. D'après les autres, même si on la trouvait ou si par miracle on trouvait une autre personne immunisée, ça changerait rien. La seule personne capable de créer un vaccin est morte. Si par miracle, on trouvait une autre personne immunisée, ça changerait rien. Harry! Complètement folle. Tu peux pas te barrer comme ça en pleine nuit. T'aurais dû me prévenir. Au lieu de me laisser un mot à la con.
Dis-moi. Ce qui s'est passé ici. Si tu mens encore une fois, je me tire. Et tu me reverras plus jamais. Mais si tu me dis la vérité, je retourne à Jackson. Peu importe ce que c'est. Allez, dis la vérité. Joël. Fabriquer ce vaccin. Ça t'aurait tué. C'est pour ça que je les ai arrêtés. Bon, eh bien, Ellie avait appris la vérité, on sait pourquoi maintenant ils sont distants, évidemment. Joël a réagi par égoïsme, mais on s'en doutait, c'est pour ça que tout le monde dit que à cause de lui, des milliers de personnes sont mortes. Mais Joël, il a écouté son cœur, et il a tout donné pour Ellie, et ça c'est beau les amis, ça c'est beau. On va s'arrêter là, je vous dis à demain pour la suite de notre aventure. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire comme d'habitude. Portez-vous bien. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.